Plusieurs manifestations dans le sud-est de la Turquie pour dénoncer l'arrestation il y a tout juste 12 ans du chef rebelle kurde Abdullah Öcalan, aujourd'hui emprisonné à vie pour trahison. À Diyarbakir, environ 2000 personnes se sont réunies et ont tenté de marcher sur l'un des grands axes de la ville. Des incidents ont éclaté avec les forces de l'ordre.